Bonjour soldats, nous nous retrouvons sur Call of Duty Vanguard en mode histoire. Donc, comme chaque début d'épisode, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne, ça m'aide énormément pour le référencement. Et si tu es nouveau et que tu n'es pas encore Comment abonné, vont tuer les n'hésite pas Mechsteiner, à le faire. Lady Nightingale? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Ce nom est symbole d'espoir pour les survivants, Paulina. L'espoir ne nous fera pas gagner la guerre. Bouge, moi. Aux alliés de Lady Nightingale, tous ceux qui prêteront refuge à cette terroriste seront sévèrement punis. Soki. Bien, montons par là. Allez, on grimpe. Tu crois que le sniper, c'était un Jaeger murder de Steiner? En tout cas, on doit faire plus attention. C'est bon, Micha? Tu Paulina, t'en sors? t'entends ça? Tiens, regarde. Pour les jumelles? On observe ce qui se passe au loin. Il y a des véhicules qui arrivent. Mais où est-ce qu'il va? Il se dirige vers le quartier commercial. T'avais peut-être raison au sujet des Jägermörder, Misha. Allons-y avant qu'on le perde de vue. Misha, attention! On est en plein milieu de tir croisé! C'est trompé! Allez, on utilise le sniper. Utilise mon couteau pour faire diversion. Attends, quoi? Fais-moi confiance. Je les occupe. On peut pas zoomer. Jette-toi d'aide. Il peut voir le reflet de ta lunette, Paulina. Fais gaffe. Allez, divertis. Elle bouge beaucoup trop. Prête. Allez, dépêche-toi. C'est bon, je l'ai eu. Ensuite, il est où? Maintenant. Allez, davai. Il est là-bas. En pleine tête. Je les ai eus. On y va. Allez, on avance. Allez, qu'est-ce que tu fais? Il y en a un autre. On va essayer de le faire. Il y en a même deux autres. Non, je suis pas prête. Fais diversion, Misha! Maintenant! C'est quand tu veux! Davai, davai, davai! C'est bon, je l'ai eu lui. Et le deuxième, où il se situe? Ok, il y en a un qui est au fond. À toi, Misha! Les occupe! Salaud! À terre! Il est là. C'est bon, en pleine tête. Donc un autre là-bas. Je suis blessé, je me mets à couvert. Bon, je le vois. Sniper abattu. On avance. Il y a des chiens. Un chien, fais gaffe. Il est où? Il arrive. Soldat, on approche. Je l'ai tiré dessus. Comment ça se fait que je suis mort? Alors, est-ce qu'il y a les snipers? Non, on avance. Et le chien. On va d'abord tuer le chien. Fais gaffe! Hein? Soldat, on approche! Voilà, c'est bon. Alors, il reste un sniper et il y a un soldat. Alors, on va commencer par le sniper. Il est où? Ivana,
Давай! Il y a le sniper au fond. Faut vraiment que je le tue. Il est où? Il est là. C'est bon. Il y en a un autre en haut là-haut. Je vais le tuer. Ok, il est là. On a un autre au fond là-haut. Je l'ai raté. Allez, charge, dépêche-toi. C'est bon, je l'ai eu. Je suis blessé, je me mets à couvert. On va attendre quelques instants que je récupère un petit peu de vie. À nouveau à couvert. C'est bon ? Ok, on a un sniper qui est au fond là-haut. Je sais pas si tu l'as vu, il est là. Voilà, il est mort. Il y a une grenade. Je me mets dans le trou. Il y a un mec qui est là. Il y a un mec qui est là. Il y a un mec qui est là. Voilà. Allez, je recharge. Et toi dans la tête. Il y a un sniper au fond. On y va. Voilà, il est mort. Alors je vous réserve une petite surprise. Il y a une vidéo multi qui va arriver prochainement. J'ai fait le montage. Il suffit juste de faire la voix. Parce que bien évidemment, hein, en multi, je suis concentré. Donc je fais pas de voix en même temps que je joue. Déjà que sur certains jeux, c'est très compliqué de commenter et de jouer. Par exemple, pour Call of Duty, le mode histoire. Tu es où? Je te vois pas. Mais il est increvable, lui. Hop, on va en dessous. Non, mais il est increvable. Ah, t'arrêtes pas. Il est à tes trousses. Il est là, Micha. Ah, c'est bon, t'es mort. Enfin. Et enfin mort. Il a l'air. Je n'imaginais pas si coriace. Rien ne t'obligeait à l'affronter. Grenade. C'est bon, il est mort. On va pouvoir avancer. Allez, on bouge de là. On devrait être tranquille pour un moment. Deux Jäger Mordor. Il doit pas être serein. On doit se rapprocher du but. Alors en avant, Sorette. Là, le véhicule de Steiner. Je peux pas la voir tant qu'il est dedans. On pourra essayer de se rapprocher. Vivement que je puisse lui mettre une balle dans la tête. Alors c'est pas par là certainement. Prête-moi tes lunettes. On peut pas tirer d'ici, ils sont bien trop nombreux, regarde. Merde. Steiner. Sur la droite. C'est peut-être son supérieur. Sniper, à terre! Il est touché. Ça va? Micha! C'est pas si grave que ça en a l'air. Ok, arrête de bouger, je vais regarder. C'est mauvais signe! En effet. On n'a pas le temps pour ça, Sorette. Tu m'entends? Faut que je te mette en sécurité pour te soigner.
Tu ne vas pas mourir ici. Allez, bouge. Ah, c'était bloqué tout à l'heure ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une explosion? Respire, respire. Allez, on avance tout doucement. De toute façon, on n'a pas le choix. Et on est au revolver. Faut bien viser la tête. Je suis là. Je pense qu'on a les balles illimitées. Bon, j'espère. Raté celui-ci. Tiens-toi à moi. On recule, les grenades. En pleine tête. En pleine tête. Tiens, complètement raté. En pleine tête. Il s'approche. On y est presque. On se roquette. Souffle. Allez, à terre toi. On va pas y arriver. La ferme, tu veux? Je te tiens. Ça arrive dans tous les sens. Allez, charge. C'est bon, ça fait partie de la scène cinématique. J'ai eu peur un instant. Misa ! Fouille. Arrêtez. Les laisse pas trop, Staline. Ce couteau ne va pas nous aider à sortir de là. Écoute, il faut juste. Mais Misa, s'il te plaît, pour de tous. Non, tu délires. Allez, il faut qu'on avance. Paulina, va-t'en ! Non ! Tu couvres l'ouverture. Moi, je vais les contourner. On n'a plus le temps. Va-t'en. Je vais les retenir. Petit frère. Ma petite sœur. Allez, va-t'en. Ça va. Quelle séquence émouvante. Va-t'en. Ah, j'avais pas capté qu'il fallait remonter. On est où là? On est sous terre. Quel sacrifice de Misha pour sa sœur. Ils sont au-dessus. Alors on est plutôt dans un bâtiment. Ok. Alors il faut aller tout droit. Hein. On peut ramper. Ils sont juste au-dessus. Exécution. Alors il y en a pas mal ici. Qu'est-ce qu'on a comme arme? Ok.
Ils sont deux là. Comment ils ont fait pour le voir? Allez, recharge. Il est mort celui-là qui est là? Oui, il est mort. Il y en a un autre derrière. Dans la tête, c'est bon. Ah non, je l'ai pas eu. Allez, recharge. Ouais. Et ensuite, ils sont où? Je vous attends. Alors l'objectif c'est de monter. Est-ce qu'on peut monter par là? Non, j'ai pas l'impression. Je pense qu'il faut faire comme ça. Voilà, c'est parfait. On peut grimper. Il me dit pour vous déplacer dans les espaces étroits, joystick de gauche. Ah, par là. Ciao. J'ai plus de munitions. Grenade. Elle met du temps à péter, c'est dommage. Alors il y a mes trousses, il est derrière moi. Bon, je vais faire le tour. Ciao. Plus rapide. J'ai été plus rapide que toi. X pour grimper. Au mur. Voilà. Belle vue. Et des renforts qui arrivent. On est mal, on est mal. Ok, et ensuite, que faisons-nous? Est-ce qu'on peut passer par là? Non, on peut pas sauter. Je pense qu'on peut passer entre les meubles. Elle n'a nulle part où aller. Continuez à chercher. Je te vois, Steiner. Il nous reste plus que 16 mètres. 16 mètres qui nous séparent. Ah bah finalement il nous reste plus que 16 mètres. Bien plus. Il est pas mort, je pense. C'est tout. Vous avez vraiment rien de mieux à offrir?
Quoi, tu l'énerves? C'est pas cool de l'énerver. Il arrive pas à me toucher? J'ai eu chaud. Allez, charge, dépêche-toi. Allez, il me faut des munitions là. Ok. Il y a beaucoup de monde qui m'attendent. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est longue à charger? Mitraillez ce bâtiment! Tout en bas! Je ne veux pas qu'elle puisse se cacher! Ah, mais c'est un mini-boss lui! Il est où? Il est mort? Mais ça s'arrête plus. Alors là, il faut vraiment m'expliquer où il s'était caché, parce que je l'ai vraiment pas vu. Normalement, je l'ai eu. Je lui ai mis 2 balles dans la tête. Ça devrait suffire. C'est bon, je l'ai vu. T'es tout seul, mon vieux. Toutes tes troupes, pouf, envolées. T'en fais pas, tu vas les rejoindre. On va aller tuer Steiner maintenant qu'il est tout seul. On a vraiment perdu toutes nos armes. Y a pas une arme à récupérer par ici? Je pense qu'on va arriver derrière lui.
On va essayer de le choper par derrière. Je sais pas où il est. Où te caches-tu? Il est où? Bon, je l'ai. Attends, je l'ai exécuté. Attends, en plus de ça, je dois le toucher plusieurs fois? Il est où? Oh, le stress. Normalement, on entend les pas. Non, je l'ai pas vu. Je t'ai retrouvé. Je sais tout de toi, Paulina. Toi, la pauvre petite infirmière. Merde! Scheiße! On va couper le son parce que j'entends rien. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on n'entend pas les pas. C'est bon, je l'ai vu. Il est où? Il est là. Il est où? Mais c'est quoi son arme? Je veux la même. Il est là. Pouf, ça y est, il est mort. Ah non, il est pas mort encore. Ici, à Stalingrad. Il est où? Faut passer par où? Allez, je suis prêt à te tuer là. Tu m'as tout pris! Et maintenant, c'est l'heure de payer pour ça.
Allez, je peux pas aller plus vite. Ça ne t'apportera aucune satisfaction. Ma mort ne changera rien. Nous vous exterminerons tous. Tu feras rien du tout. Pas moi, Herr... Herr Freisinger. Il terminera ce qu'il a commencé. Allez, meurs. Tu vas crever, enfoiré de nazi. Arthur. Tout ce que tu m'as laissé, c'est ce couteau. Je pourrais... t'aider. C'est dingue. Vous êtes tous pareils. Je compte même plus combien d'entre vous j'ai tués. Et vous déblatérez tous les mêmes conneries pathétiques. Freisinger. Il est censé me faire peur. C'est rien de plus qu'un autre facho de merde. T'en fais pas. Je m'occuperai de lui juste après. Tu pensais que t'allais prendre ma ville et écraser mon peuple. Tu as tenté de me briser. Mais tu as échoué. Tu as créé Lady Nightingale. Et maintenant, c'en est fini de toi. La célèbre Lady Nightingale a évité la chute de Stalingrad. Ses actions ont poussé les Russes à reprendre leur ville et à passer à l'offensive. Paulina a changé le cours de la guerre pour les Alliés et son peuple. Avec une telle réputation, elle allait forcément attirer notre attention. Que peut vouloir faire Freisinger d'un simple officier sur le front Est? Quelle importance? Ça! On a beaucoup pour moi, Fräulein. Joli le briquet. D'après mes renseignements, Freisinger avait recruté Steiner pour un projet, disons, plutôt atypique. Project Phoenix. Possible. Tout ce que je sais, c'est que... j'ai été envoyé pour tuer Freisinger. Il y a sûrement un meilleur moyen de sortir d'ici. Il n'y a aucun moyen de sortir. À moins, bien sûr, que vous n'ayez décidé de devenir raisonnable. Ouvrez cette foutue porte et vous verrez si je suis raisonnable. Vous pouvez me faire sortir de là? Quoi? Je peux. Espèce de traître. D'accord. Je vous dirai ce que vous voulez savoir. Putain d'Australien! Aucun honneur, aucune loyauté! Arrêtez tout de suite! Je veux pas être la prochaine victime de ta croisade, Rosebif! J'espère que le plan valait le coup. Oh,
bonne chance, Lucas. Je pensais que vous sauriez mettre un terme au plan stupide de votre équipe. Vous vous entretuez maintenant, c'est ça? Sortez. Sortez de là! Sortez. Je sais pourquoi vous voulez coopérer. Je n'accepterai pas non plus d'obéir à un nègre. Vous vous trompez, l'ami. Je ne vous suis pas. Sa couleur de peau, je m'en fiche. Vous savez pas ce qu'il y a entre les Australiens et les Britanniques? On était la merde sous la chaussure de la couronne. Oui, bien sûr, mais vos nations sont alliées. Non, non, c'était plutôt de la soumission, vous voyez. J'ai fait tout ça parce que pour les Rosbifs, les gens comme moi n'ont aucune valeur. Insolent. Grossier. Habitué des séjours en prison. J'ai nommé Lucas. Il faut reconnaître que le SOE a un don pour dénicher des talents dans des endroits improbables. Car oui, Lucas avait du talent. C'était un expert en démolition au tempérament explosif et à la langue bien pendue. Dans le désert, les rats de Tobrouk étaient une véritable famille. Malheureusement, ils n'ont jamais vraiment supporté l'autorité. Quand tu veux, princesse. Je savoure ce moment. Bon, bien entendu, toutes mes excuses, votre majesté. Hé, hey, Bluey, réveille-toi. Il faut pas que tu rates ça. Ah, oh, bordel, pose-les tes cartes, putain. D'accord, Dess. T'as plus qu'à chialer. Oh, espèce de salaud, j'y crois pas. Je peux savoir pourquoi vous êtes pas à vos postes. Major Rams, vous pensiez vous la couler douce. Major, le convoi approche. Bien. Vous, les rats, suivez-moi. Et pour une fois, comportez-vous en soldat. Monsieur. Oh oui, chef, non, chef. Les rats de Tobrouk. On peut dire que tu sais lui tenir tête, Bluey. Bien joué, mon gars. Va te faire foutre, Dess. Qu'est-ce que fait Hams ici, de toute façon? C'est le Major. Il peut faire ce qu'il veut. Sacrée mission, c'est intéressant. À Stalingrad. Je te dis à bientôt, le prochain épisode sort comme toujours prochainement. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter et à dire ce que tu ressens sur Call of Duty, le mode histoire. N'hésite pas à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt l'ami. Ciao, ciao.